pour mon sifflant. Oxy parle souffre, faut bien nourrir les gosses, alors tant pis pour la souffrance. Devoir de mémoire, éternel désespoir. La peau par en lambeau, la trace des pères près du lami noir. Le prix fort, c'est toi qui l'as payé. Des fiches de paix justifiées par 40 ans de foyer. Vas-y toi, caresse le métal. Nos pères sont courageux et peu sentimentales. Vas-y toi, même le sourire de leur mère après la guerre est resté de l'autre côté de la mer. Qu'importe la tâche, génération digne. Je fais ce que je dois même si je sais pas ce que je signe. Tous les jours, fallait faire plus qu'hier ici. Nombre de nos pères se sont ramassés à la petite cuillère. Français de souche de palmier. Ils sont les dates parmi les mirabelles tout au fond du panier. Ne demande pas d'où vient notre référence pour la différence. Mixité oblige de nos darons, dis nos références. Qui côtoyait du nouveau, des séjours au foyer, aux journées, aux fourneaux. Revoyez vos journaux, traités sous genre malgré le périple, mérite ta journée. Indésirable dès le départ, le départ reste indécis. Je parlerai peu avec mon père sans m'en faire part. Ma rancœur héritée de son regard. HLM résident, après cette barre et cultiver sa racine dans quelques mètres carrés. Le mythe du retour a pris du retard. Le poids d'une famille les a contraints à rester terre à terre. D'Afrique, au pays pompe Afrique, sans marmarin, l'Afrique. De barbarie dans le pâté lorrain, le cul entre deux chaises. C'est Gilles Bratard qui sépare génération déracinée. C'est qui le bâtard qui s'égare. Tu verras certes du courage, mais aussi et surtout le rouge de l'urgence et de la rage. S'ils y voient du désespoir, qu'ils se détrompent, nos darons ne sont pas prêts de partir autre part. Ne sont pas prêts d'abdiquer, ont posé la première brique et méritent que leurs enfants viennent s'impliquer. À l'heure où on aime et qu'on ne partage qu'en quelques clics, c'est la morale humaine contre la quête de fric. C'est bel et bien un soutien authentique. C'est la force de nos mots contre vos mathématiques. Documentaire filmé dans les artères de nos pères. Il s'agit de la chaleur du cœur dans la froideur du fer comme thématique. C'est bel et bien un sujet authentique. Pas un tournage de clip sorti tout droit d'Amérique, ayant pour conséquence de nous faire perdre nos repères. Il s'agit bel et bien de la trace de nos pères emblématiques. Qu'est-ce qui se cache derrière cette fumée épaisse? Serait-ce le fait de naître là pour essuyer les pertes? Terre brûlée, patrimoine perdu, mais les petits marchent sur les ruines d'un héritage voué à perdurer. Grandir sous la pluie sur des terrains en friche. La Lorraine n'est pas nouvellement pauvre, elle est anciennement riche. Riche d'un mental de fer, forgé dans l'histoire même si la mémoire se perd. Les carrières de pierre cachent des mines de savoir. Les vagues migratoires ne sont pas le fruit du hasard. Hommage à Michel, Enzo et Moussa et à tous ceux dont la richesse n'a d'égal que le courage. Peut-on se limiter à la nostalgie? Faut-il s'adapter jusqu'à renier nos racines? Comment donner sens à l'avenir sans tourner la page? Doit-on conserver les cendres ou raviver la flamme? Ma rage est des terres et vénère, issue de la trace des pères et des mères. Sous chien de race, mon nom hélas. Mon sang aussi métissé que mon amitié. Un mix dont t'as pas idée, les pourches sont là à paniquer. Je viens du coin où l'ex-mère a buté sa maîtresse. Les recoins cachent des Dexter a tué l'allégresse. Traîtresse, la France indigne, SS pour un centime se rabaisse. Laisse les s'échelèpes, son intégration a le goût de la pénétration. Inceste, la délation, une forme de tradition. Un geste qui déchaîne mes passions. J'atteste que de première, deuxième génération. J'ai la phobie de la nation, nous avons bâti le pays. D'eux t'arrives le fond encore, pourtant j'attends le corps à corps. Et qu'ils rendent des comptes, ils brassent des millions, des milliards. Vous rendez compte, des arcelors, des mitales, de simples PDG minables. Du septime à l'assis en roue arrière sur les chaises et les tables. Des portées de crabes dans les cartables. Tous ces mômes circoncis que les grands esprits ont rendus détestables. Poussent comme ils peuvent sur des champs de sable. À la soif, à la faim, à l'abri de rien. Au culot, à l'usure, au hasard des murs. Dans la fièvre électrique de leur taux d'hormones. Dans l'éloignement de leur mère ou sous les yeux d'un drone. Affamez-les, enfermez-les, enragez-les tous. Une coulée de mazout avant que les arbres repoussent. Il y a la caverne et ses théâtres d'ombre. Et puis les miracles de la loi du nombre. Et oui, tous ces petits pressés et furieux poussent et pensent vite nombreux, nombreux. Un réalisateur en bonne et due forme est toujours affalé sur un canapé. Attendre que le coude sur un vieux trépied des années 70. Attendre que les autres bossent. Ouais, ouais, puis l'œil a visé surtout.